Eh bien, bonsoir à tous. Live surprise. Un petit live surprise. Je n'avais prévenu personne. J'aime bien faire des live surprises à l'improviste. Vous vous y attendiez pas, hein, n'est-ce pas? Eh bien, on est là. C'est comme ça. On est ici. Et on se retrouve une fois de plus sur Super Mario Sunshine. On se lance. Mode performance, c'est parti. On va essayer de faire quelques soleils là, parce que la dernière fois on était un peu en galère. J'espère au moins faire quelques soleils, au moins en ce début de live, et ensuite on galérera un petit peu, un tout petit peu, parce qu'il faut galérer de temps en temps, parce que ça fait plaisir. Allez, ça fait longtemps, je vous laisse avec la petite intro, comme ça laisse le temps aux gens de venir. On va se faire la petite intro. Mario part en vacances, les gars. Allez, c'est parti, on se lance. Salut chef Puma, bonsoir, je reviens que dans une bonne vingtaine de minutes. J'ai mes équations différentielles linéaires du second ordre à coefficient constant avec second membre trigonométrique à résoudre. Eh ben dis donc, j'en ai la gerbe rien qu'à écouter le type d'équation que tu as à résoudre. Je te souhaite bonne chance, chef Puma, et je te dis à tout à l'heure. Et je tiens à dire qu'il y a le multi-encodage. Effectivement, j'ai feinté, monsieur chef Puma, j'ai trouvé une petite solution. En fait, j'ai relancé trois fois le live. Donc j'ai lancé une première fois, il n'y était pas. J'ai lancé une seconde fois, il n'y était pas. Et j'ai lancé une troisième fois, il y était et on le garde. C'est ça l'avantage, c'est quand tu l'as, tu le gardes. Donc je pense avoir trouvé la petite technique pour avoir le multi-encodage. Merci, c'est l'idée de Wham, ça fait plaisir. A tout de suite chef Puma, travaille bien tes maths. Et j'espère qu'elles te mèneront à un but bien précis, la réussite de ta vie professionnelle. Merci bien. Allez, c'est parti. J'espère faire quand même quelques étoiles assez rapidement. Il faut que t'ailles me chercher Docteur Nintendo, chef Puma, là. Parce que c'est à cause de lui qu'on fait des jeux de Nintendo. Allez, on se lance. Alors, ils m'ont parlé du phare. Bon, le phare, on fera plus tard, au pire. Le phare, on fera plus tard. On va tenter le... On va tenter le... Comment ça s'appelle, là? Ah ben tiens, il y a un... On va tenter le canon là-bas. Je crois que ça nous mène directement au... Comment s'appelle? Le parc Delfino, je crois, là. Pas le parc Delfino, le Pina Park, si je me trompe pas. Si je me trompe pas, c'est direction le Pina Park. Alors, le secret du canon de la plage, très bien. Donc, va falloir aller chercher un canon, tout simplement, hein, je pense. Hein. Alors, première banque.
Premièrement, ici. Oui, ici, il y a des canons. On esquive bien. Ok, ok, d'accord. Oh là là, oh là là, professionnel gaming, les gars. Professionnel gaming. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui. Alors, d'accord, c'est des bombes. Ça fait quoi si je les arrose? D'accord. Je peux les attraper? À mon avis, oui, il faut les attraper. Et lui lancer dans la tronche. Très bien, c'est ça. Oh putain, triple fade. Ok. On va arroser les deux. Est-ce qu'on peut la lancer? Non, je crois que je le touche pas là. On va se barrer du milieu. C'est bien fait les bombes qui explosent là. On va faire attention. Oui, là je l'ai eu, très bien. Je pense l'avoir eu là. On va l'attraper ici. Oui, encore un coup peut-être. Encore un coup, certainement. Oui, c'est ça. Parfait. Nickel. Ah, ça me mène sur un espèce de vortex. Non, même pas. Ah ben oui, d'accord. Mario, niveau bonus spécial, ça rigole pas. Oh-popola, oh-popola, oh-popola. Tiens donc, c'est un petit hommage à Yoshi Island, ça. Hein. Les décors comme ça, couleur pastel, en dessin, à la pastel, ça sent le Yoshi. Oh, cette musique, elle est géniale. Elle est géniale, cette musique. Elle est vraiment géniale. Alors, on va tenter le first try. Est-ce qu'on va tenter le first try? Ok, on va passer par là. Ok, on va attendre tranquillement. Tranquillement. Oui, ça passe. Impeccable. On va quand même gratter ce qu'il y a sur les caisses parce qu'on est quand même arrivé là, c'est pas pour rien. Avec l'attaque rodéo, tout ça c'est pour les pièces. Je ne sais pas, à part donner de la vie. À part donner de la vie, les pièces, je ne sais pas, franchement. Parce que je peux les... D'accord, je ne peux pas les... Ça fait quoi si je les bute tous? Ça fait quoi? Pourquoi il pop à l'infini, là? Ça sert à quoi? C'est un piège, en fait. C'est un piège! Ça ne sert à rien. Oh là là, la technicité dans les sauts, les gars! Bon, voyons voir ici. Oh putain, on va galérer. On va galérer. Oh putain. Oh sans déconner. Oui. Alors attendez, là je comprends pas. Parce que franchement les sauts, ils sautent pas. Ils restent droits en fait. C'est ça qui est dommage. J'ai failli mourir. C'est ça qui est con, c'est qu'il reste droit. On peut pas changer la direction quand on saute là-dessus. On va y aller tranquille. Oui, c'est bon, c'est passé. Alors, voyons voir comment ça se passe ici. D'accord, à mon avis... Attendez, je préfère réfléchir.
D'accord. D'accord, ça va. Ça apparaît d'un coup, et là, faut speeder. Faut speeder, en fait, c'est tout. Il y a juste à speeder. Donc là, c'est pareil aussi. Go, c'est parti. Mais non! Je croyais que j'allais faire le first try et tout. Putain, je recommence d'où? Ah, je recommence du début. Sa mère l'hippopète. Sa mère l'hippopète, ça commence bien. Bon. Je préfère passer par là. Tranquillement. Ok, je préfère passer par là, tranquillement. Oui, c'est bon, ça passe. Impeccable. Donc là. Oui, c'est bon. Bon. Là, cette fois, je perdrai pas de temps. La vie, on s'en fout. Attention. Go, c'est parti. Parfait. Tranquillement. 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 Bien joué! Professional Gaming. Je la tente, même si je meurs. Ça, c'est du bien joué. Ça, c'est du bien joué. Ça, c'est du bien joué. Sauvegarder et continuer. Du coup, qu'est-ce que je peux faire? On va y retourner. Oula, pièce rouge et pirate, j'aime pas trop ça. J'aime pas trop ça, pièce rouge et pirate. Donc si toutes les pièces rouges sont sur le bateau, je veux bien. Et à mon avis, c'est sur les bateaux qui... Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui. Toutes les pièces ont l'air d'être sur les bateaux. Je pense. Hein. Donc, les bateaux sont là. L'entrée est ici. Et les escaliers. Ça fait une. Ok, je tombe. Très bien. Et j'en suis à deux. C'est déjà ça. On va déjà regarder où elles sont toutes. Il y en a qui sont un peu galères à récupérer là quand même. Donc elles sont pas toutes sur le bateau. Là sur les bateaux, je pense avoir tout récupéré déjà. Hein. Donc il faut que je chope, il faut que j'aille sur la grille là-bas. Et comment faire? Comment faire? Comment faire? Attendez, on va faire ça. Saloperie. D'accord, ok. Est-ce que c'est par là au moins? Est-ce que je peux pas passer de l'autre côté? On va aller vérifier quand même. On va aller vérifier. On va aller vérifier. Ah
Alors, comment je peux choper la grille là-bas? Est-ce que je peux monter? Alors. Déjà, où je peux choper les... Ah putain, les niveaux d'exploration comme ça. Je pense que c'est sur le bateau que je dois grimper. Hein. Sur le bateau et ensuite... Putain, ils ont fait un tour complet là. Ce sera pas assez haut. On va aller faire le tour par là-bas pour voir un peu ce qu'il y a, parce que j'ai pas assez regardé les alentours pour savoir... S'il y a quelque chose qui est récupérable pour monter sur les rails. Comment je fais pour monter sur les rails? Déjà, je peux pas monter sur les poteaux. Non. Non. Ok. Ici, je peux grimper ou pas? Non, je peux pas non plus. Ok, si je monte tout en haut là, c'est quoi? D'accord, ça donne des pièces bleues. Parfait. Je suis sincèrement désolé, mais cette attraction est actuellement en révision. Très bien. C'est quoi? C'est l'intérieur ça? Carrément. Je vois l'intérieur de la structure. Je sais même pas si on pourra y aller. Hein. Ils ont fait un ruissellement d'eau à l'intérieur de la structure. Je trouve ça bizarre. Attendez, ici, il y a moyen de monter là. Putain, j'ai failli tomber. Il y a moyen ou pas? Et là, toutes les grilles sont fermées. Je suis en train de... Je vais me casser la gueule. Je sais pas s'il y a moyen de monter, là. Mais je suis assez haut là pour y aller. Est-ce assez haut? Oui. Mais assez loin, je sais pas. On va tenter. Oui, ça passe. Ça passe. Ça passe. Est-ce que je peux lui balancer de l'eau à lui là? Surtout pas lui envoyer de l'eau quand il fait l'électricité. Ah si, c'est surtout là qu'il faut lui envoyer, je crois. Comment je peux faire pour les buter? C'est pas grave, on grimpe. On en a chopé une de plus. Donc il y en a une là-bas aussi. Ensuite, il y en a où? Où c'est qu'il y en a, là? Là-bas. Ah, il y en a encore une sur le bateau, là-bas. Une sur le bateau. Il
une sur le bateau. Tout en haut. Bateau de droite. Ensuite, une ici. Et les autres. Ça ferait que 5, là. Ça ferait que 5. Ah, il y en a une ici, là. Dessous. D'accord. Ok, donc faut passer dessous. Fait, je peux redescendre. Ok, exploration pure et dure là. Hein. Ensuite ici. Oh, comment je la chope là? Il y en a une ici aussi. Oh putain. Comment je la chope là? Oh, putain, mais qui couillon. Qui couillon que je suis tombé sans déconner. Oh putain. Abusé. Alors. J'aurais dû recharger l'eau. J'ai déconné. Alors là, comment aller là-haut là ? Comment aller ici ? En sautant du bateau, je pense. En sautant du bateau. Là, je vais tenter, je vais prendre le risque. Si je peux descendre. Parfait. Saloperie, j'en étais sûr qu'elle allait me toucher. On va recharger. On a rechargé l'eau. J'aurais dû les comment ça s'appelle, les soleils d'exploration avec les pièces rouges, j'aurais dû les faire après. Hein. C'est dommage. Mais bon, là, il t'oblige à les faire, sinon t'avances pas, en fait. Là, c'est imposé, quoi. Tu peux pas les faire au choix. Oh, putain, je vais tomber. Non, je suis pas tombé. Tu peux pas les faire au choix. Les soleils, ils te sont vraiment imposés par le jeu. Eh, j'essaye de passer, hein. J'essaye, mais ça passe pas. Alors, à mon avis, il faudrait passer peut-être quand... Putain. Faudrait passer peut-être quand il a pas l'électricité, ou alors faut lui shooter dessus. Aucune idée. Et la musique est plaisante. Et je me donne l'objectif de passer. Pour le moment, j'ai pas trouvé comment on fait pour les buter. Hein. Mais on va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Alors, est-ce que je peux lui shooter dessus déjà? Direct. Oui. Ça les stun. Ça les stun. Est-ce que ça les stun? Non, ça les stun pas. Bon, faut que j'aille chercher des pièces. Elles sont où les pièces là? Il me faut des pièces. Plus de vie. Oh Yoshi, il est mignon dans le carrousel. Alors,
Ici, c'est quoi? Mais des pièces. Ouais, c'était possible de tout récupérer là. Bon, en tout cas, je suis full vie. Je suis full vie. Ah non, il y avait bien quelque chose ici en fait. Oh putain, la phase de plateforme. Bon. Pour le moment, ça nous intéresse pas. Ce qu'il nous faut, c'est récupérer les pièces rouges. Ok. Salut, docteur Nintendo. T'amuses, bonjour. Salut, bande de monocouilles. Ah, ça te fait plaisir d'insulter comme ça. Oh là là, oh là là. Ah mais elles sont là. Elles sont là, ces fameuses... Est-ce que ça les stun alors? C'est pas possible de passer, putain. Là je commence à m'énerver là par contre. Là, je commence à m'énerver. Sois content que j'insulte la dernière fois. Je t'ai saoulé de la vie. Comment ça, tu m'as saoulé de la vie? Alors. Va falloir se battre pour celle-là, les gars. Mais j'ai presque envie de faire un saut et de la récupérer avec le jetpack. Je pense que je vais moins galérer comme ça. J'ai l'impression que je vais moins galérer avec le jetpack. Oh putain. Oh non mais sérieux, sans déconner. Ouh là là, ça y est, il attaque fort. Il attaque fort le doc avec les fails. Il attaque fort direct. Attends, juste je m'échauffe. Alors, t'as vu comme je suis resté bloqué sur la barre? Sans déconner. J'ai l'impression que j'ai plus de chances de la récupérer avec le jetpack qu'autre chose. Mais ça fait quoi quand je lui tire dessus, là, à lui, là? On peut pas le faire tomber? J'ai plus d'eau! Je suis obligé d'y aller à pattes. Bon, non, c'est pas grave. Bah, je préfère, à la limite, récupérer de l'eau. Regardez, j'avais plus d'eau, sans déconner. Alors, juste quand je décide d'essayer de l'attaquer, j'ai plus d'eau, les gars. Je n'ai plus d'eau. Tu as vu que le JDG Star Wars a été supprimé? Oui, j'ai vu le message sur Discord maintenant. C'est celui de Star Wars 1 sur PlayStation, c'est ça? C'est le JDG de Star Wars 1 sur PlayStation. On est d'accord. Alors attendez, donc du coup, si je fais ça, est-ce qu'il meurt à un moment donné? Il meurt ou pas? Il ne meurt pas. Il ne meurt pas? Est-ce que ça le stun ou pas?
crois que ça fait que le stun en fait. On va voir. Bon, ok, j'abandonne le passage. Je vais sauter. D'abord, je vais me recharger. Putain, j'ai plus de vie. Sans déconner. Alors c'est fini les pièces rouges du village, hein. Là ça rigole plus, hein. Bon, je pense que je vais essayer d'aller la récupérer en sautant. Je vais faire comme ça, je vais sauter là, hop, et je vais revenir en arrière, je vais faire ça. Si tu meurs pour ce genre de bêtises, j'aurai honte de toi, Rob. Oui, mais je me fais toucher à chaque fois. Je me fais toucher par la carapace, là. Ok, alors on va tenter celle-là. On va voir, comme ça. Je vais faire ça. J'en étais sûr. Tombe. Parfait. J'en étais sûr que c'était plus simple comme ça. Je me suis cassé la tête comme un chacalus pour rien. Ben, y avait plusieurs des jeux sur l'épisode de 2015. Mais ouais, pas de passage en plus 18. Et quoi cette fois? C'est suppression pure et dure. Il en a parlé ou pas? C'est vous qui l'avez remarqué ou il en a parlé? J'aimerais bien savoir, Docteur Nintendo. Franchement. J'aimerais bien, bien, bien savoir. Alors. Maintenant, il faut que j'aille sur le deuxième. Je n'ai pas rechargé mon jetpack, mais on va se débrouiller comme ça. J'ai dit qu'on allait se débrouiller comme ça. Est-ce que je peux monter, là ? Oui, je peux monter. Il y en a une juste en face, ça fera 7. Et la 8e, faut que je la trouve. Hein. Où est la 8e? Saloperie. Où est la 8e? Pourquoi elle est bloquée? Alors je vais la choper là. Parfait, mais la 8e. Où est la 8e? Les gars, on est à 7. On est à 7. Je l'ai appris tout à l'heure sur son stream. Ah, d'accord. Bon, après en même temps, Star Wars, ça m'étonne pas. Licence hyper connue. Sachant qu'il se moque en plus de... C'est bien écrit pièce rouge et pirate, on est d'accord. Hein. J'arrive pas à voir où est la 8e, les gars. Ah putain, oui, elle est dessous là-bas. Putain, j'étais dessus en plus tout à l'heure. Bon, c'est simple. C'est simple pourquoi? Parce que on y a été il y a pas longtemps. Saloperie, c'est juste quand il fait un tour complet le bateau que je peux pas y aller. Sans déconner. Et après un peu plus de 20 minutes, je l'avoue. Le plus important, c'est que tu aies réussi tes équations multidirectionnelles de la physique quantique. Et bien sûr... Putain de sa race maudite. Et bien sûr, avec réussite, tu t'en sors bien ou c'est plutôt des fails? Pour le moment, ça va, j'ai envie de dire. Je fais de l'exploration, il me reste plus qu'une pièce rouge et on s'en sortira vaillamment, je dirais.
parce que je peux pas les... C'est bien parce que tu vois, ce jeu, je l'ai fait il y a 3 ans. Bon, j'avais pas fait tous les soleils. Mais comme quoi... Bon, là, il va faire le tour entier, cet Amphoros, non? Il faut prendre vraiment le bon timing, sinon après, au pire, je peux sauter. Hein. Je peux sauter là-bas, non? Voilà, le timing, il est là. Parfait. On va attendre ici. Ok. Donc je refais la même que tout à l'heure. Oh putain, j'ai plus d'eau. Oh non, je suis dégoûté. Ah non. Ou alors je peux faire ça au pire. Faire ça au pire. Attendez, on va voir. Oui. Non, je voulais pas descendre. Non, je veux pas descendre. Je veux pas descendre. Oh là 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 là, c'est la galère. Mais tourne-toi. Tourne-toi. Non. Saloperie. Sans déconner. C'est normal que tu n'aies pas lu ma phrase. Limite, tu l'as pas vue où elle a été censurée. Si tu meurs pour ce genre de bêtises, j'ai honte de toi, Wham. Oui, ben y a des gamins qui se font toucher et ils râlent moins que toi, Wham. Oh, elle est violente, celle-là, Dr. Nintendo. Hein. Ah là, j'avoue, c'était la chute... démoniaque. Alors attendez, on va y retourner les gars, tranquillement. On n'est pas pressé. On a toute une vie pour terminer ce jeu. On va faire ça. Ensuite on fait ça. Voilà. Très bien. Je sauvegarde. Là, on est pas mal, les gars. Par contre, le soleil, il va falloir aller le chercher où? Faut aller le chercher où, là, le soleil? Il est où? Il est tout en haut. Bon, bah, ça va. Si j'avais su. Je crois qu'il est ici, le soleil. Mais le problème, c'est que tu peux pas monter, là. Je vais faire ça. Ça. Tout à l'heure, j'ai réussi à monter en plus. Hein. Tout à l'heure, j'ai réussi à monter. Hein. Ouais, mais de toute façon, tout à l'heure, je pouvais me faire toucher. Je crois qu'il est là-haut, le soleil. Hein. Je crois qu'il est là-haut, les gars. C'est pas grave, je me fais toucher. C'est rien. Et c'est une réussite! Putain, je déteste les pièces rouges. C'est une réussite, les gars. C'est une réussite. Parfait. Vous m'envoyez ravi. Ah, Professional Gaming, Chef Puma. Professional Gaming. Oh, il y a un truc qui est apparu là-bas. On va y aller tout de suite. Mais n'empêche que ça fait bizarre de voir Mario avec une salopette et un t-shirt. Je précise, je sais pas que vous, si vous avez déjà remarqué, mais dans cet épisode-là, Mario a un t-shirt rouge sous sa salopette. Il a les bras nus. Ça fait bizarre, effectivement. Allez, on va aller voir ce qui se passe là-bas. C'est quoi? C'est un nouveau monde, je crois. On va aller voir ça de suite. Je crois que c'était là, non? Ouais, c'est ici. Alors, comment ça marche? Ben, je suis dessus, là. Bordel de merde, je suis dessus!
Est-ce que tu arrives à voir le soleil? Le guide dit qu'il est comme l'âme de l'île Delfino. Bon. Il est où ton soleil, là? Ah ben ouais, d'accord. J'avais oublié. Gerba and Googles, Dr. Nintendo. Le gardien du bouchon. Ah, je m'en souviens de celui-là, de monde. Celui-là, je m'en souviens bien. Alors, que se passe-t-il? Oh, cette musique. Oh, la tronche qu'il a, sérieux. Il y a des fois, sur les PNJ, Nintendo, il partait en couille, quand même. Ah, bienvenue, tu dois être Mario, je présume. Ta réputation t'a précédé. Quant à moi, je suis un vieil homme qui adore pêcher. Mais dernièrement, nous avons eu de légers problèmes. Regarde autour de toi et tu comprendras. D'accord. Les canons une fois de plus. Ça sent l'escalade, les gars. Ça sent l'escalade. Je ne sais pas qui est responsable de tout ça, mais... Magnifique cascade. Ces magnifiques cascades sont complètement polluées. Et le pire, c'est que je ne peux même plus pêcher. Il faut que tu enlèves ce bouchon pour moi, je t'en prie. Quoi? Tu veux t'en occuper? Merci bien mille fois, mais prends garde à la personne assise sur le bouchon. Ouais, pas de problème, je lui ai déjà cassé sa gueule sur la plage. Ne t'inquiète pas. Je vais m'en occuper. Alors, comment ça marche? Déjà, on va nettoyer ici, tranquillement. Histoire qu'on ne casse plus les pieds. Voilà. Comment je peux grimper, là? C'est pas par là? C'est par où? Alors, voyons voir un petit peu. Ah ouais, attendez, je pense avoir compris. Donc là, à mon avis, faut faire ça. À mon avis, il faut faire ça. Ça. Même pas, c'est trop. Saloperie. Elle est plutôt cool, cette musique. Mais je le fais exprès ou quoi? Ça. Ça. C'est trop. C'est trop. Alors, comment ça marche? Alors, Squid Game. Ouais, très très bonne série. J'ai vu que les deux premiers épisodes. C'est... Ils en parlent. Ils parlent de faire un jeu vidéo, hein, de cette série. Mais vraiment prenant. Et... Les Coréens, ça rigole pas, hein. Ça rigole pas, les Coréens. Attendez, par où je monte, bordel de merde? Un jeu vidéo, oui, ils en parlent déjà. Bon, Netflix, ils donnent de l'argent à tout le monde, hein, pour faire des séries, hein. Ça rigole pas. Je trouve que les personnages avec les salopettes rouges, ça me fait penser à... Ça me fait penser à la Casa des Papel, je sais pas pourquoi. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est par où? C'est par là, normalement. Attendez, attendez, attendez. Réaction, réflexion. Je vais faire ça. Ça va pas faire tomber des caisses si je fais ça? Alors là, c'est unique, là. C'est par là que je dois monter, non? Ah, putain de merde, j'avais pas vu. Saloperie. Je vais me recharger en eau, quand même. Ah, putain, elle est polluée.
Elle est polluée, mais c'est bon, j'ai réussi à me recharger. Mais ouais, les Coréens, ils sont chauds. Il y a plusieurs scènes bien dégueulasses dans Squid. Ben oui, apparemment, ça monte crescendo. Hein. Parce qu'à la limite, ça va. Hein. Le 1, 2, 3 soleil, ça va. No problem. No problem, le 1, 2, 3 soleil. Mais je m'attends au pire pour le reste. Hein. Si déjà le 1, 2, 3 soleil, ça commence comme ça. Qu'est-ce que ça va être ensuite? Ok, alors ici. Pourquoi il y a un truc là? Oh, le secret, les gars! Professionnel gaming, tout ça pour une pièce. Ils sont sérieux? Ok. Alors ici, je vais faire ça. Oui, ça passe. Parfait. Après ici. Oh, merci. Tranquillou, tranquillou, les gars. Tranquillou, on récupère des pièces et tout en plus. Oh putain, je préfère passer par là finalement. C'est seulement le premier jeu de 3 soleils, effectivement. Bon, je vais pas trop spoiler s'il y en a qui veulent regarder, mais... c'est... elle est quand même incroyable. Elle est quand même incroyable. Il y a quelque chose d'exceptionnel dans cette série. Je suis à fond là. Comment, à quoi ça m'a servi d'aller là? À quoi ça me sert là? Ah, c'est pour aller ici. Ok. Putain, je vais être en manque d'eau là. Alors comment ça marche là? Non, saloperie! Je vais être en manque d'eau. Mais t'es sérieux là? Mais putain! Mais moi, c'est tout le contraire. Je sais pas pourquoi, mais pour ma part, je n'arrive plus à regarder de séries avec de vrais gens. C'est-à-dire de vrais gens. Attention. Ah, ils m'ont donné de l'eau. Oh, de l'eau, magnifique. Oh, de l'eau, on est bon, là. De toute façon, il y avait de l'eau ici, on est bien. Il y avait de l'eau ici, on est pas mal. Alors par contre, comment je peux faire là? Comment je peux faire pour monter? Ils font péter les pièces ou pas là? Comment je fais pour monter? Attendez, on va réfléchir un petit peu. Ok. Salut Big Matt, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Ben je ne regarde plus de séries qui ne sont pas animées. J'arrive jamais à bien accrocher. Ah, mais là, je pense que... je sais pas si tu as vu Squid Game, mais... je pense que ça te plaira.
Je pense que ça te plaira. Oh putain, oh, j'ai failli y arriver. Oui, c'est bon, ça passe. Ça passe. Le pénitent le passe. Une petite pièce, ça fait du bien. Oh putain, pleine pièce. Magnifique. On est full vie. On est full vie, on va faire attention aux bombes. Oh, qu'est-ce qu'il me fait? Oh putain. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? On y va tranquillou, ça va péter. La prochaine. Ok, là j'en vois. Parfait. Hop, là j'en vois. Oh putain, on est en train de faire du professional gaming là, les gars. Ça arrive, ça arrive. Oh, professional gaming! Oui, j'ai Amazon Prime. Docteur Nintendo, tout à fait. C'est là où j'ai regardé. C'est là où j'ai regardé la magnifique, le chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre qui se nomme L'Attaque des Titans. Je me casse la tête en enfer sur Diablo 2. Mais j'aime beaucoup, moi, les Diablo. J'ai fait le 3. Hein. Mais est-ce que le 2 est meilleur que le 3? Tu vas me répondre, Big Matt, je pense. Et c'est nickel. Nouveau soleil, les gars. On est pas mal ce soir. Ce soir, on est pas mal. Il faut que je trouve l'astuce. Pour le soleil... Ah, il est carrément mieux. Quelle est la différence entre Diablo 2 et Diablo 3? Waouh, ça fait un moment que j'ai pas joué à Diablo. Lui, Loul. Ah, Loul, tu veux dire. Non, j'ai pas vu Invincible. La seule série animée que j'ai vue sur Amazon, c'est L'Attaque des Titans. La difficulté déjà, ah c'est plus dur dans Diablo 2, hein, parce que je me souviens ne pas avoir galéré avec un sorcier. Hein. Autant te dire que les attaques à distance avec le sorcier, c'est passer les doigts dans le nez, hein, Diablo 3. Hein. Mais j'ai beaucoup aimé, hein. J'ai beaucoup aimé, hein. J'ai vraiment aimé le scénario, j'ai aimé... parce qu'en plus j'ai l'édition Soul Reaper, donc j'avais tous les DLC et tout avec, c'était vraiment pas mal. C'était vraiment pas mal. Alors, on est sur la Benoki, le boss des ruines piégées. C'est parti. Un petit boss, les gars, ça vous dit? Je te conseille, c'est une série de super-héros, mais quelque peu différente. Je regarderai, monsieur Docteur Nintendo, effectivement. Mais là, j'ai deux séries, puisque Madame Wham a gratté les codes pour Netflix. Donc, je regarderai... Parce que je peux pas tout avoir. J'ai Amazon, j'ai Disney+, je vais pas avoir aussi Netflix. Faut pas déconner non plus. Par contre, je pense arrêter Disney+, parce que j'ai regardé tout ce que j'avais à regarder. Il me reste plus qu'à terminer... Comment ça s'appelle? Il me reste plus qu'à terminer les What If. Et je pense que la série avec Hawkeye, je m'en tape. Je vais arrêter Disney+. Et... Netflix, il faut que je regarde Squid Game et The Witcher. The Witcher, il faut absolument que je le fasse. Clairement. Et du coup, tu n'as pas vu la saison 4 de L'Attaque des Titans? Non, j'ai commencé en VO, mais je préfère la regarder en VF, parce que je l'ai regardé en VF sur les 3 premières saisons. Et je trouve ça dommage de me mettre... Bon, c'était pas mal, c'était même mieux, hein, le VO. Mais j'étais moins impliqué. J'étais sur le PC, alors que j'avoue que sur Amazon Prime, les gars, j'étais calé dans mon canapé, la grosse télé, image parfaite. Je veux pas me gâcher, je pense que tu me comprendras, Docteur Nintendo. Je veux pas me gâcher à regarder cette série sur mon PC, où je fais les streams avec un siège qui est pas mal, mais qui est pas exceptionnel non plus. Je préfère me caler, tu vois, dans sur ma télé du salon, tranquille, posé dans le canapé, quoi. En plus, il y a un épisode de American Horror Stories chaque nouvelle semaine pour l'instant. Je ne connais pas du tout American Horror Stories, pas du tout, Chef Puma.
Il y a, je crois, 8 épisodes en ce moment. Là, tu me parles de l'Invincible, mais c'est vraiment cool et bien plus gore de ce que Marvel et DC Comics proposent. Eh bien, ça m'intéresse. Par contre, c'est Jap, j'imagine. Bon, c'est quoi le nom, là? C'est les boss des ruines piégées. Moi, je trouve qu'il y a un côté Mario Odyssey, parce que tu sais pas où tu dois aller. Hein. Tu sais pas où tu dois aller. Oh putain, les Chip Chip, ils m'ont mis KO. Alors, je tente par là, mais sans aucune conviction. Où sont les ruines? Déjà là, est-ce que je peux fouiller ici? Ah ouais, d'accord. C'est ça les ruines piégées? Est-ce que c'est ça les ruines piégées? On va parler au vieux maître. Excellent, monsieur Mario, félicitations. Nos belles cascades sont devenues comme avant. Mais je ne comprends pas, l'océan est toujours sale. Il semble que je me suis trompé. Je crois deviner le problème. Je vais devoir te révéler un des plus grands secrets de la Benoki. Ah, c'est peut-être là-bas les ruines piégées, non? Ah, le soleil est là-bas. Cette baie cache en fait le tombeau d'un ancien roi Noki. Quand tu envoies de l'eau sur les parois des murs, un passage doit normalement apparaître. C'est presque de la magie. Et un de ces passages mène au soleil caché, juré, cette légende est vraie, enfin je crois. Je joue 5 minutes, je m'ennuie. Les Mario, les Zelda, j'arrive vraiment pas. Je joue 5 minutes et je m'ennuie. Mais ça dépend lesquels. Parce qu'en fait, peut-être que tu prends pas plaisir sur de la plateforme, Big Matt, mais ça c'est compréhensible. Maintenant, c'est vrai que les Mario 3D, surtout le Odyssey, le Sunshine, on n'est plus sur un mini-monde ouvert où tu dois explorer, chercher, sauter avec de la plateforme. Mais je comprends ton raisonnement aussi. Hein. Il y en a qui préfèrent de l'action, il y en a qui préfèrent du RPG. Tu vois, c'est assez spécial. Et je te comprends parfaitement, me dit Dr. Nintendo. Moi, j'ai une télé où je peux me mettre Wakanim dessus, donc je peux voir la saison dès le moment où les épisodes sortent. Ah oui, là tu es bien là. Bon allez, on va grimper, ensuite on va passer par là, on va voir si c'est le bon chemin. Donc ici on devrait, voilà, ici, ah, à mon avis c'est par là encore, là ici on est pas mal. Oh putain, il y a les poulpes. Mais ils se suicident, les poulpes. Oh putain, d'accord, j'ai trouvé une nouvelle... Il y a la face de poulpe. Parfait. On va quand même un peu shooter là-dessus pour voir, là, si c'est une pièce bleue. Oui, c'est une pièce bleue directe. Magnifique. Sauvegarder et continuer. J'ai 22 pièces bleues, ça m'a pas donné un seul soleil pour le moment. Et pour Invincible, c'est américain, Wham. Ah, c'est américain. Ça marche. Je pensais que c'était Jap, tu vois. Oh putain, c'est chronométré. Oh, c'est chronométré, les gars. Oh, c'est chronométré. C'est chronométré. Au secours. C'est chronométré. Dépêchons-nous! Oh putain! Le retour du poulpe! On va d'abord buter les petits poulpes. Le retour du poulpe, je m'y attendais pas! Putain! On va lui nettoyer la tronche d'abord. Oh là là, bien l'esquive! C'est bon, la tronche est nettoyée. Parfait. Par contre, plus difficile à attraper ces tentacules, j'ai l'impression. Mais putain, j'ai attrapé! Mais j'ai attrapé! Mais j'ai attrapé, bordel! Mais ça n'a pas marché! Et ouais, ça dure moins longtemps quand... Cette caméra de l'enfer! «
Je pense qu'il cache l'entrée de la ruine. Je pense, hein. Redites sur le boss, hein, par contre. Allez, viens là. Viens là, face de poulpe. Oui, c'est bon, je l'ai attrapé. J'attends les 4 ou pas? Il va tourner sur place ou quoi? Allez, viens là, face de poulpe! Un coup, ça suffit? Un coup, ça suffit? Un coup ou pas? Non, j'en étais sûr! Enfoiré! Sûr et certain! Nettoyage de face. Putain, il a eu les membres qui ont repoussé. Putain. Allez. Tu me fais pas peur. Ouais, c'est bon, je l'ai chopé. Parfait. Allez, on voit la deuxième. Allez, face de poulpe. Oui, c'est bon, c'est la bonne en plus. C'est celle de devant. Magnifique. On tente le... Allez, dégage! Il va mourir en enfer. Il va dire bonjour à Satan de ma part. Donc là... Ouais, c'est ça, il cachait l'entrée en fait. Eh les gars, je pense que c'est ça. Il nous a sorti... Le poulpe en emoji, le chef Puma. Eh oui, les gars, c'était bien ça. Magnifique. Les temples du roi, je sais plus qui. Professionnel. Qui est professionnel. 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 J'ai dit professionnel. Professionnel. Putain. Mais putain de merde. Mais je vais y arriver à la choper en selto. Professionnel gaming. Je regarde 99% des productions. Mais pourquoi, pourquoi t'as sorti un fail, Dr. Nintendo? J'ai réussi. J'ai réussi, Dr. Nintendo. J'ai eu le soleil. J'ai eu le soleil. Dr. Nintendo. J'ai eu le soleil. J'ai eu le soleil, Dr. Nintendo. Au bout de 30 essais. Ah, c'est le fail gratuit, ça, Dr. Nintendo. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Au bout de 30 essais, il m'a dit. Il m'a dit au bout de 30 essais. Alors. Ouh. Tu nous as sorti les anges, les ailes de l'ange. Mais malheureusement, Dr. Nintendo, on ne réussira pas à découvrir la quête des emojis cachés. Hein. Comme je vous l'avais dit, on ne sait pas à quoi correspondent les emojis de Twitch. On sait juste que les ailes, c'est les singes, parce que celui qui a fait 3 fois les ailes avait eu 1 x 2. Donc, qu'est-ce qui représente la manette? Qu'est-ce qui représente le serpent? Qu'est-ce qui représente le visage pas content? Aucune idée, les gars. Aucune idée. Alors, bon, pour ce soleil-là. Là, il y a un soleil ici, mais comment le choper, là? Bon, on va continuer, là. C'est quoi? Si c'est les pièces rouges, je me casse. J'ai déjà fait des pièces rouges, les gars.
Ah non, les pièces rouges une fois, pas deux. Clairement, on ressort direct. Direct, je me barre. Je me barre. Ferme ta gueule. Mais tais-toi. Tais-toi, vieux. Oh, c'est quoi ça? Il y avait un scaphandre dans Super Mario Sunshine. Putain, les gars, j'ai fait le jeu il y a 3 ans. Ah, tu rentres dans la bouteille carrément? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je m'en souviens même plus. Oh, ben les gars, attendez. Alors, attendez. Oh, ça va, ça a l'air d'être easy. Je pense. Mais je me souviens plus de ça, les gars. Pourquoi je peux pas y aller là? Ah oui, en fait, le chip-chip, attention quoi. C'est dommage qu'ils n'ont pas fait un remix de Doki Doki. Comment il s'appelle le niveau là? Le niveau là, comment il s'appelait? C'est pas Doki Doki, c'est putain. Ah, j'ai oublié le nom. Oh, cette jouabilité. Oh, cette jouabilité, les gars. Ignoble. Comment je prends de la. C'est avec les pièces? C'est avec les pièces qu'on prend de la. Alors attendez. Il me one shot, je crois, cet enfoiros. Hein. Je crois qu'il me one shot le poisson là. Dire dire blocks, c'est ça. 4. Nous sommes à 4. Il y en a une ici. 5. Ici. Putain, non, mais c'est une jouabilité ignoble. La huitième, ici. Oh là là, professionnel gaming, les gars! Oh là là, professionnel gaming! Il est chaud. C'est dommage, hein? J'aurais pas dit non à un petit remix de Dire Dire Block. J'aurais pas dit non, clairement. Oh là là, professionnel gaming, les gars. Là, c'est du professionnel. Sauf que les singes, c'est x3. Les singes, c'est x2, je crois, Docteur Nintendo. Hein. Et moi, j'ai combien de points, les gars? Il faudrait que je regarde. Ça se dit d'ailleurs Blocked Wham. Comment ça? Dire dire blocks. Comment ça? Ça se dit Blocked. 2000 points. Tiens, je peux me faire un petit gamble, les gars. Un petit slot. Un petit slot. Un petit slot à 500, les gars. Petit slot à 500, pour moi, c'est Tonton Wham qui régale. Oh putain! Alors les serpents, j'espère que c'est pas l'équivalent des merdes. Parce que si c'est. On sait pas. On sait pas, les gars. On sait pas. Bon, j'ai fait les pièces rouges. Continuons. On est pas mal ce soir, hein? La carie d'anguille.
C'est peut-être un hommage à l'anguille de Super Mario 64. Et pour... Ah, tu croyais que ça allait t'aider? Bien joué, chef Puma. Mais non, c'est les anciens... Ah oui, le singe, c'est x3, pardon. Il n'y a pas de x2. Autant pour moi. Mais t'as vu, c'est dommage. Parce que ça aurait pu nous donner les résultats. Et pourquoi on a les anciens emojis sur le gain slot et on a des emojis différents pour le Streamlabs? Je ne comprends pas. Mario, tu es enfin prêt pour aller au fond de l'eau. Grand-père t'attend là-bas et n'oublie pas ton scaphandre. Putain, on est reparti avec le scaphandre, les gars. Alors, au fond de l'eau, il me dit. C'est pas là? C'est pas là? Alors, c'est où? Mon avis, c'est ici. Pour aller au fond de l'eau. Il est bien sympa. C'est où au fond de l'eau? C'est là où il y a la... À mon avis, c'est là où il y a la chute d'eau. Ouais, c'est ça. Oh putain, l'anguille. D'accord, ok. C'est vraiment un hommage à l'anguille de Super Mario 64. Oh putain, la musique. Oh la gars, oh les gars, boss. Boss, boss, boss. Oh putain, je la vois l'anguille là. Alors les substances toxiques, très bien. Par contre, il y a beaucoup de pièces à mon avis. Oh, on va voir un peu le design de cette anguille. Oh putain. C'est pas dans les yeux, est-ce que c'est les dents? Oui, faut blanchir les dents, les gars. Faut lui faire une petite partie de... Faut lui faire un petit peu de dentifrice, les gars. Ah, mais cette jouabilité sous l'eau, ils ont déconné quand même, hein. Oh, attendez, il est en train de m'aspirer là ou quoi? Alors ça fait quoi quand elle a les dents toutes propres? Avec Tony Gencil, mes dents sont toutes propres. Je tourne en même temps avec elle, sérieux. Mais le gain slot, c'est une commande que j'ai créée. Le slot doit changer automatiquement selon la plateforme. Oui, mais c'est moi qui les ai créés, les slots, justement. Les emojis, c'est moi qui les ai choisis. Je les ai choisis comme quand je les ai cho on les a choisis pour la commande. Une fois qu'elle aura les dents propres, peut-être qu'elle sera heureuse, je ne sais pas. Alors, il faut que j'aille à contresens, si c'est possible. C'est bon, une nouvelle dent de propre. Une deuxième. De la vie, de la vie, de la vie. Cette jouabilité là, franchement abusée. Hein. Il glisse, Mario, tu le vois glisser comme s'il était... Alors je ne sais pas ce que je dois faire, il y a une dent qui est un peu plus jaune que les autres. Je sais pas pourquoi.
va se reçoit... on va aller se prendre de la vie. Attention. Putain, il a repourri ses dents, je crois. Tant qu'elles sont pas propres, en fait... Un peu galère, quand même. Une dent de plus de propre. Magnifique. Une dent jaune, je ne vois pas du tout ce que ça peut être. Ah, c'est peut-être le soleil alors, chef Puma. C'est là où il y a le soleil alors. Et comment la récupérer? Une dent nettoyée de plus, il en reste plus qu'une. Magnifique! Voilà ce qui se passe quand on ne se lave pas les dents. Espèce d'anguille dégueulasse. C'est quand même le boss le plus étrange de l'histoire. Hein. Et là, je vais mourir, je n'ai plus de vie. Combien de cœurs il me reste? Non, ça va, ils m'ont mis full... Oh, ils m'ont mis un petit cœur. Elle est contente, ça veut dire. Ça veut dire qu'elle est contente, l'anguille. Elle m'a fait un petit cœur en pièces. Bon, allez, pas le temps d'aller récupérer ces pièces du cœur. Il est temps de récupérer le soleil. D'un seul coup, les gars. Professional Gaming. Tu m'as traité de quoi? Une dent jaune? Comment ça, je t'ai traité de quoi, docteur Nintendo? Je t'ai traité de rien du tout? Qu'est-ce qui se passe? Oh, 22h58, les gars. Un dernier soleil. Merci, chef Puma. Et ce soir, c'est le live de la réussite. C'est le live de la réussite, ce soir. C'est le live... Tu m'as traité de chef Puma? J'ai pas vu. J'avais pas vu. Alors. Qu'est-ce qu'on fait? Ah tiens, docteur Nintendo, chef Puma, vous allez choisir... Paul... Alors, on fait un dernier soleil. Alors, un dernier soleil. Le dernier. Le dernier soleil. C'est vous qui allez choisir. Si vous n'êtes pas d'accord, je tranche. Donc, Pina Park. Pina Park. Ou alors la baie où on était, hein. La Doki Bay, je sais plus comment ça s'appelle, la Noki Bay, tiens. Je crois que c'est la Noki Bay, j'ai zappé le nom les gars, veuillez m'en excuser. Autoriser les votes. Je peux autoriser les votes par rapport au point de live. Tenez, une minute pour les votes. Le dernier soleil, on le fait où les gars? C'est vous qui décidez. Selon le niveau que vous aimez bien. Le parc ou la Doki Bay? Je ne sais pas comment elle s'appelle, la Doki Bay. Là, attendez. Alors. Je ne vote pas. On va voir si vous allez être d'accord ou pas. Yeah.
Alors, résultat du vote. Pina Park, vous êtes d'accord? Eh bien, je suis surpris. Je suis surpris que vous soyez d'accord pour la première fois. Ils ont quand même des tronches bizarres, les mobs, hein, sur cette île. Allez, go Pina Park pour le dernier soleil de ce live. Et en tout cas, je suis sûr que c'est pas des pièces rouges. Ça, c'est l'avantage. Les tournesols fanés. Va falloir arroser des tournesols. Non, on est d'accord aussi pour dire que tu es nul ou pas. C'est pas faux. Oh, c'est des œufs de Yoshi, ça. Qu'est-ce que ça fait là? Donc c'est sur la droite. Allons-y rapidement. Vous avez vu, je sais me déplacer rapidement maintenant. Arrosons. Allez, allez, prends de l'eau. Et prends de l'eau, bordel de merde. Pourquoi elle veut pas prendre de l'eau? On peut lui parler ou pas? Attendez, qu'est-ce qui se passe? Oh putain, c'est pas des Yoshi, c'est des feintes. C'est des feintes. À mon avis, il faut que je les bute. D'accord, c'est ça en fait, le champ de tournesol. Il y en a une qui a su... Ah, c'est ça. Eh les gars. Je peux t'ébrouiller quand même. Allez, viens là. Viens voir tonton Wham. Viens voir tonton Wham, face d'œuf. Viens ici. Parfait. Ben c'est comme ça. On est d'accord pour dire que tu es nul. Attention. Attention. Ah, les gars, c'est du professionnel gaming, ça. Magnifique, un champ de tournesol. Le tournesol, quand on l'arrose... C'est le même bruit que la fille qui se fait arroser dans le hentai de tout à l'heure. Et il est... Les gars, si c'est que ça, il est donné ce soleil. Il est donné ce soleil. Parfait. Très bien. Attention. C'est le dernier, je crois. Il est plus gros, lui. Oh, il manique. Oh, il est pas mal, celui-là. Ah, faut faire rapidement, lui, hein. Ah, il évolue. Oh, il évolue, celui-là. Oh, c'est pas mal, c'est bien joué. Ah, il a sorti le Dracarys. En feu. Comment on peut faire, là? Il est même pas tombé, là. Putain, attendez. Putain, faut se dépêcher là. Hein.
Putain, mais faut se dépêcher, je suis en train de mourir. Des pièces. Des pièces, s'il vous plaît. Oh mais attendez, je suis en train de mourir. J'aurais dû récupérer les pièces pendant que je me battais, bordel de merde. Alors ici. Ah, sans déconner. J'espère que la joie est la même lorsque tu t'endors sur ton tas d'or. C'est ce que tu as refait un soleil alors. Attendez. Si c'est ce que tu as refait un soleil alors. Ah, le salut à Top Toff. Alors, comment on fait? Comment on fait là? Il me faut quand même un putain de... Il me faut... Donnez-moi des pièces, bordel de merde. Y'a pas des pièces cachées quelque part? Là, dans le panier. Y'a pas moyen de bouger le panier, là? Non. Pourtant, y'a une pièce bleue dessous. Y'a une pièce bleue. Il y a une pièce bleue. Il y a une pièce bleue. Comment je fais pour la choper? Putain, mais ils te donnent pas une pièce, sans déconner, ces enfoirés. C'est des raspia dans ce jeu. C'est des raspia. Tu sais même pas comment buter les... Putain, j'ai encore oublié leur nom. Je suis dans la merde là. Hein. Non, c'est pas ça du tout. Est-ce qu'il y a des pièces en haut? Y'a pas de pièces en haut? Oh putain, je suis dans la merde. Bon, va falloir aller l'affronter comme ça, les gars. Au fait, WAM, je ferai une annonce ce vendredi pour le WAM World. Oui, j'imagine. Je pense savoir de quoi tu veux parler, monsieur Docteur Nintendo. Putain, mais il se retourne trop vite. Putain, je vais mourir. Il est fatigué, Mario, on est dans la merde. Je pensais qu'elle allait être facile. Je confirme que tu es dans la merde. J'ai l'impression de regarder un film scatophile. Putain, attendez. Putain, mais c'est fou, hein. Ou alors, il faut... Je pense que pour péter... Je pense que pour péter les paniers, il faut utiliser le... Il faut utiliser ce truc-là, là. Ah, je suis dans la merde. Sa mère l'hypopète. Mais comment tu fais pour le buter, cet enfaros? Mais en plus, ils me remettent là. Et comment tu fais pour le buter? Encore ça va, les autres, ils sont faciles.
J'ai honte. Tu l'attendais, celle-là. J'ai honte. Docteur Nintendo, j'ai honte. Je sens. J'ai honte. Elle t'attend. J'ai honte. Alors celle-là. J'ai honte. Celle-là, je voyais que tu étais là depuis une dizaine de lives à te dire c'est quand qu'il va mourir? C'est quand qu'il va mourir que je lui sorte? C'est quand? Hein, hein, Docteur Nintendo, hein, tu me mettais des défis tellement ça te titillait de la sortir, celle-là. Oh putain, sans déconner. Bon, en tout cas, tu m'as pas dit comment on fait pour la muter, Docteur Nintendo, cette dernière tortue de mes couilles, là. Ah, il a cramé le redeem, la honte, pour le mois d'octobre, les gars. Je suis tranquille pour tout le mois d'octobre. Je suis tranquille, les gars, pour tout le mois d'octobre. Il reste encore, on est le 11. J'ai 19 jours de tranquillité. Je pense que c'est ça, les gars. Attendez, on va vérifier. Je pense que c'est ça. Et pourquoi il a pas sauté? Ah non, c'est même pas ça. C'est même pas ça. Je ne sais pas, alors, du coup. Là, je ne sais pas, les gars. Je ne sais pas du tout. Même Chef Puma, il n'a pas sorti l'émoticône du fail. Ok. Bon, eux, ça va. Ah, du coup, il essaye de regagner des points, Docteur Nintendo. Il a perdu. Il a perdu, Docteur Nintendo. Bon. On va y arriver. On va y arriver. Est-ce que quelqu'un a une idée pour cette dernière... En fait, il devient plus gros, pourquoi? Parce que là, si je fais celui-là, il sera pas gros. C'est le dernier qui grossit, en fait. Si tu réussis sans perdre la moitié de ta vie, je te récompense, Wam. Bon, écoutez. Pour le moment... On est guère avancé, Docteur Nintendo. Hein. On est guère avancé. Ah ouais, d'accord, c'est le gros. Va falloir trouver une solution. Peut-être lui envoyer de l'eau, je sais pas. Ah, saloperie. Eh, franchement, je vois pas, hein. Oh. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Alors, à part lui envoyer... Ah, peut-être si je fais ça, mais c'est trop long. Avec le jetpack.
Avec le jetpack. Faut se dépêcher, hein. Faut se dépêcher, hein. Ben oui, attendez, c'est ce que j'essaye de faire avec le jetpack, hein. Faut que je lui casse la carapace, peut-être. Parce qu'il se retourne avant, hein. Même en volant. Ah, putain. Bien. Par contre, ce n'est pas fini. Si, c'est fini. En fait, je faisais le plongeon en avant qui me faisait perdre du temps. C'est ça, cet enfoiros. Il me faisait perdre du temps. Si tu sautes trop loin pour l'esquiver, c'était ça. C'était ça, Docteur Nintendo. Je faisais le plongeon en avant. Je faisais le plongeon en avant. Mais en fait, après, j'ai arrêté de le faire pour sauter directement comme ça et faire ça. German! 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 Googles! Ah, putain! German! German! Googles! German! German! Googles! Merci pour le GG, chef Puma! Ça fait plaisir! Putain, tu n'as pas envie de t'arrêter, hein, quand tu joues à ce jeu. T'as pas envie de t'arrêter, les gars! T'as pas envie de t'arrêter? Oh putain, il est là. Oh, on peut pas s'arrêter là-dessus. On peut pas s'arrêter là-dessus. Il y a cet enfoiros qui vient me défier. Il y a l'anti-Mario qui est là, les gars. Il y a l'anti-Mario. On peut pas. On peut pas le laisser là en toute impunité. Mais ça fait même pas 1h40, Wab. Continue. Merci, Docteur Nintendo. Merci, Docteur Nintendo. Il a, bien entendu, qu'une seule parole, ce Docteur Nintendo. Un grand merci. Et en plus, un don sans message. Un don sans message, ça veut dire, tiens, manant, et prends ton chemin. Bon, les gars, on peut pas laisser Anti-Mario comme ça. Il nous respecte pas, cet enfoiros. Par contre, il était où, ce chacal? Il était sur la place principale, hein. Il est là, je crois. Il est là, ce chacalus. Viens là, enfoiros. Pas question. Oh, cet enfoiros, il me fait des wall jump. Non, j'y étais. Oh, cet enfoiros. Cet enfoirus. Il est où? Il est là-bas. Attention, on va l'arroser. Il revient en bas. Vite, vite. Je veux Yoshi. Donne-moi Yoshi, enfoiros. Arrête de sauter. C'est bon, on l'a eu. Honnêtement, je croyais pas en toi. Du coup, voilà. C'est sincère, Docteur Nintendo. Il n'y avait pas de truc particulier. C'est juste pour tenir ma parole. J'ai honte. Putain, sans déconner. Zut, j'étais à deux doigts de chevaucher ce Yoshi. Les gars, une grande première pour cette... Je peux le prendre ou pas? Je peux pas le prendre. Faut juste trouver des bananes. Où c'est qu'il y a des bananes? Je crois avoir vu des bananes sur le commerce qui est juste derrière. On va voir ça. Il a sorti les dollars, Big Matt. Alors, on va lui ramener une banane au Yoshi.
Tiens, Yoshi, mange ça. C'est dégueulasse de chevaucher Yoshi. Tiens, Yoshi, prends-toi ces bananes. Oh, ça fait plaisir. Yoshi, première apparition de Yoshi en 3D, jouable, je précise, jouable. Parce qu'il est présent dans Super Mario 64, mais, il est PNJ, il est non jouable. Alors que là, vous êtes lié d'amitié avec Yoshi, faites-le manger avec Y. Parfait, on a Yoshi. D'ailleurs, est-ce que seulement Yoshi a une U ? On va regarder. J'ai pas l'impression. La langue qui va dans tous les sens et tout. Alors, on va le faire manger. Bien sûr, il y a une jauge de nectar en bas à droite de l'écran qui nous permettra de faire des actions. Il peut faire une espèce de saut en l'air qui se stabilise en restant appuyé. D'accord. Ça détermine la couleur. Et ça fait quoi? Ah, en fait, c'est là il crache, en fait. Ah ouais. Il envoie de la jute! Il envoie de la jute, il vomit! Il vomit, les gars! Très bien. Donc, si je rentre dans un niveau... Alors, attendez. Parce que c'est vrai qu'on prend pas le temps de visiter Delfino, là. L'île Delfino, mais... Il nage ou pas? Oh non, il meurt! Ah, il va pas dans l'eau! Non, mais ils sont sérieux, Yoshi, il va pas dans l'eau? C'est un dinosaure qui sert à rien, les gars! Et je le récupère où, du coup? Je récupère à l'entrée. Oh, attendez! Il y a une ouverture ici. Yoshi, roi des cunilingus. Docteur Nintendo. Brise toutes les caisses en moins de 30 secondes pour gagner un prix. Mais bien entendu, easy. Easy. Je vais te first try ça en 2 secondes. Et puis quoi encore? Putain, 2 d'un coup. Professional gaming, les gars. Oh là là, easy. Oh, easy! Easy, les gars! Ça, c'était easy! Professional! Professional! Professional gaming! Alors, c'est vrai, c'était super. C'est vrai, toi le meilleur. C'est vraiment toi le meilleur. Et en plus, un soleil. Putain, je croyais qu'ils allaient me donner une pièce bleue. Magnifique! Alors là, ça, c'est un soleil gratuit, les gars, autant vous dire. 26 soleils, ça en fait des soleils. Alors là... Oh putain, il est de retour! Oh là là! Oh là là, il se passe des choses! Alors, il est où, cet amphoros? Il était par là, non? Il était par où, les gars? Oh, il est en train de brûler, lui, faut l'aider! Faut l'aider, il est en train de brûler! Viens là! Viens là, mais du con, je suis là pour t'aider, arrête-toi! Tu vois pas que t'es en train de brûler? Avec tes champignons? Ah! Et donne-moi un soleil! Donne-moi un soleil! Donne-moi un soleil. Tu m'as sauvé, Bim, merci. Oh putain, mais quelle raclure. Tu m'as donné une putain de pièce bleue, les gars. Tu veux que je recherche? Après les escargots, j'ai plus rien à perdre. J'ai eu un fou rire tout seul à imaginer sur YouPorn et à tomber sur le Pornstar Yoshi.
Alors, il était où l'anti-Mario, les gars, avec la buse spéciale, là? Il était pas là? Il y avait une genre de porte comme ça? Attendez. Il y avait une sorte de porte. Une sorte de porte. Ah, il est là. File-moi ta buse, Ampharos. C'est une buse spéciale en plus. Qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, d'accord, il y a un... Il est là. Oh, attendez, attendez, c'est la pause. Oh, Big Matt, 1 euro, et c'est pourquoi? Tu peux faire une fois un don, mais pas 10 fois. Attendez. Je vais essayer de réfléchir à cette phrase. En tout cas, merci beaucoup, Big Matt, tout autant que Chef Puma tout à l'heure. Tu peux faire une fois un don, mais pas 10. Tu peux faire une fois un don, mais pas 10. Alors, il est là, Stamphoros. Oh putain, il va m'énerver. Il va m'énerver, les gars. Il va m'énerver. Il va m'énerver, ce Chacalus. Viens là. Tu peux faire 2 fois un don, mais pas 10. Il va spammer. Il va spammer. Attention. Merci encore, bien sûr, Big Matt. Un grand merci à toi. Un grand merci du fond du cœur. Non, les escargots, c'est un sujet sensible. Il est parti où, ce con, là, d'Anti-Mario, les gars? Je l'ai perdu. Big Matt m'a déconcentré. Il est où? Est-ce que vous voyez un Anti-Mario dans le coin? Putain, je le trouve plus. Il revient à sa position de départ ou pas? Pas l'impression. Là, c'est ici, là. Il... Tu peux faire 3 fois une don, mais pas 10. Big Matt, commence pas, je suis obligé à lui donner ma paye. Un grand merci, Big Matt. Membre d'honneur, en plus, soutien. Et tout ce qui va bien. Merci beaucoup, hein. Big Matt qui n'a toujours pas choisi son jeu au choix, d'ailleurs. Je l'ai fait avec tout le monde. Je l'ai fait avec tout le monde. Et du coup, j'attends toujours le jeu au choix de Big Matt en live d'une 10 heures. Hein. Je peux monter un petit peu plus que 10, bien sûr. Hein, mais attention, pas un jeu de 60 heures, par contre. Hein. En tout cas, un grand merci, Big Matt. Merci beaucoup. Alors... Et arrête-toi, s'il te plaît, Big Matt. S'il te plaît. Ça suffit. Vous avez rassasié le Wham. Par contre, les gars... Je l'ai perdu, cet Ampharos. Je l'ai perdu. Le Wham est... Ah, il est là-bas. Il est là-bas, Chacalus. Viens là. Espèce de... Saloperie, je suis tombé. Il est ici. Espèce d'encre de merde. Tu n'es que la pâle copie de moi-même. Putain, je suis rentré dedans en plus. On va essayer comme ça, tiens. Tu peux faire 5 fois un don, mais pas 10. Ça veut dire qu'il va s'arrêter à 9. Ah les gars, il est en train de me rendre fou là. Donne-moi cette buse. Donne-moi cette buse, Chacalus. Face de poulpe. On dirait de la jute. Tu ressembles à de la jute de poulpe. Ampharos. Il est en train de me rendre dingue. Il est en train de me rendre dingue, les gars. Ah, il est en train de me rendre dingue. Il est en train de me rendre dingue, ce Chacalus.
m'a vénère de donner plus que moi. Ils s'en font la compétition, les gars. Merci beaucoup, Dr. Nintendo. Où va-t-on aller? Merci beaucoup, Dr. Nintendo. Merci beaucoup, Big Bant. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez, ça suffit. Vous m'avez payé l'électricité du live. Ça fait cher l'électricité pour un live. Mais c'est bon, les gars. Ça va bien. Merci beaucoup. Un grand merci, Dr. Nintendo. Soutien pas pour rien, les gars, j'ai envie de dire. Soutien pas pour rien. Allez, cet enfoiros. Il va me faire vider toute mon eau. C'est bon. On l'a eu. Sois maudit, j'étais à deux doigts d'avoir la turbobuse. Ah, pourquoi il m'attendait, ce couillon? Sauvegarder, continuer. On est bien, là, les gars. On est bien. Maintiens ZR et appuie sur charger pour la turbobuse. À mon avis, c'est dans l'eau, non? Oh, putain, comme il court vite. Oh, putain, les gars, ça rigole pas, là, la turbobuse. Oh putain, ça rigole pas. Ça marche même dans l'eau. Oh, ça marche même dans l'eau, je peux sauter et tout. Est-ce que je peux défoncer les portes? Ah, je défonce les portes. Magnifique. Donc attendez, on va aller de suite récupérer un truc là-bas. Parce qu'il me semble avoir vu un soleil. C'est rien, car un riche est même égoïste. Si j'ai le jackpot demain, c'est pas 10 euros de don que tu auras. Le jackpot ou au loto? En tout cas, un grand merci, Big Matt. Un grand merci, Dr. Nintendo. Merci beaucoup. Alors, c'était ici, je crois. C'était pas là. Bon, ici, il n'y a pas de soleil. J'avais cru voir une porte identique. C'est pas de l'argent virtuel. Zut. Merci, Big Matt. Merci beaucoup, Big Matt. Un grand merci. On va la péter, celle-là, de porte. Oh, putain, les gars. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, on va se finir avec celui-là. Oh, les gars. Un grand plaisir. 220 millions d'euros. Les gars, on va se finir avec celui-là. Je pense que ça va être un régal 23h34. On va se donner jusqu'à 23h45. Est-ce que tu peux... Je vais lancer la prédiction moi-même, les gars. Et ça serait bien que vous votiez un pour, un contre. Je vais lancer la prédiction moi-même. Je me donne jusqu'à 22h50. Prédiction. C'est parti. Il faut que je la fasse vite, la prédiction, sinon... Alors... réussir avant 22h50. Le point d'interrogation. Oui. Non. C'est parti. Attention, il n'y aura que une minute pour le vote. Dépêchez-vous. Attendez. Comment ça, veuillez recommencer, je ne comprends pas. En plus, je vois rien. Je ne vois même pas. C'est un échec, attendez. Réussir avant 22h50. Oui. Non. Commencez, j'ai compris. Mais ça marche pas. 23h50, pardon. 23h50. Ah si, ça a marché la prédiction. Non, c'est bon. Le 10 de côté. Le 10 de côté pour Big Matt. Je l'ai lancé, la prédiction. Merci beaucoup. 23h50, vous avez bien compris. Alors attendez, je pense que s'il y a des arrosoirs automatiques, c'est pour glisser. Non, c'est pas pour glisser. Attendez, on va voir.
Non, attendez, attendez. Ouh là là, on va devenir fou. Hein. Merci d'avoir lancé la prédiction. En tout cas, encore un grand merci. Merci, 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 merci. Merci, 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 Chef Puma. Non, pardon. Merci, Docteur Nintendo. C'était une blague, bien sûr. Hein. Je savais qu'elle allait passer sous la ceinture, celle-là. Merci beaucoup, Docteur Nintendo. Merci beaucoup, Big Matt. Merci énormément pour votre soutien. Je sais pas si je vous le dis assez souvent. Bon, ça marche pas. Très bien. On va faire autrement. Juste, j'ai payé 221 de points. Me les fais pas perdre. 22h50, ça nous laisse 13 minutes. Alors, voyons voir. On va essayer avec la turbobuse. Oui, c'est la turbobuse, les gars. C'est ça. Attention. C'était bien la turbobuse. Attention. Oh putain, attention. C'est pas mal, ça, comme niveau. Attention. Oh putain, les gars. Oh, professionnel gaming. Oh, j'ai failli faire une rupture d'anévrisme. Oh, les gars, vous avez vu? First try à la turbobuse. Tu le dis assez souvent, t'inquiète. Par contre, à 400, tu passes sous le bureau de ton adjoint. Ah, mon adjoint a les pleins pouvoirs. German! German! German Googles. Alors là, les gars, vous avez vu, avec la turbobuse, first try de la mort. Prédiction. Je vais lancer la réponse. Choisir la réponse. Oh, il y a quelqu'un qui a voté non à 10%. Deux personnes ont voté oui, une personne a voté non. Je gagne avant 23h50. La réponse est oui. Bravo à ceux qui ont remporté la prédiction. On va laisser Mario pioncer un petit peu parce qu'il est fatigué. Je demande la VAR, il a dit Big Matt. Je vais te mettre, pour ton redeem, Big Matt, je vais te mettre un arbitre en train de faire les gestes de la VAR. Je crois que je peux même créer un redeem pour ça. C'est une très très bonne idée, ça, Big Matt. Ouh, voir les détails. Alors, y en a? Récompense du défi. Découvrez les points de récompense. Non, pas pour le moment. Je veux voir les détails. Alors, 401 vont à Docteur Nintendo et un autre. La cote était de 11. La cote était de à 11, les gars. À 11. Ils ont gagné 401. Ils avaient joué en même temps 361 à 2. Bien joué en tout cas. La cote était à 1,1, pardon. À 1,11, elle était. La cote n'était pas à 11. Elle était à 1,11. Parfait. Je vais créer. Alors là, c'est une superbe idée. C'était écrit 22h50. J'ai gagné. Non, il y a écrit 23h50. 23h50. Lis les détails de la description, de la prédiction. Et les gagnants sont bien le oui. En tout cas. Et les gars, c'était un live de réussite quand même ce soir. Faut dire ce qui est. Hein. On va laisser Mario se reposer. Encore un énorme merci Big Matt et Docteur Nintendo. Vraiment un grand merci à vous. Prochain live, peut-être demain soir. Peut-être demain soir. Donc, à voir. Après tout, on n'a pas livé samedi, dimanche.
peut-être un live demain soir. À vous de me dire un message privé, on peut faire de l'Assassin's Creed ou du Mario. À vous de me dire un message privé, je ne prendrai en compte que les messages des viewers qui étaient présents ce soir. Du coup, j'ai un Yoshi X Bowser. Il a trouvé, Chef Puma, sans déconner. Il a trouvé une vidéo pour adultes avec Yoshi et Bowser. C'est un entaille, c'est pas possible. C'est un entaille. Quoi qu'il arrive, c'est un entaille, c'est sûr. Quoi qu'il arrive. Bon, en tout cas, c'était plutôt un live réussi. Réussi parce qu'on a buté sur rien du tout. Attendez. Non, ce n'est pas fini. Attendez, ce n'est pas fini. Parce que la porte est là, la porte que je cherchais. On va terminer sur encore un plus grand succès. On va terminer sur un plus grand succès encore. Un soleil gratuit, les gars. Un soleil gratuit, les gars. On a fait péter les soleils ce soir. Tu peux faire Black Flag pour moins de 10 heures. Alors attendez, je vais aller en direct. Attends, je suis obligé de tout mettre sur pause. Hein. 2 secondes, j'espère que ça va pas planter. Alors, je vais aller... Alors, Big Match, je te réponds tout de suite. Donc là, j'ai mis sur pause. Un instant, je te réponds tout de suite. Alors, how long to beat? Alors, je vais sur how long to beat. How long to beat. Ok. Et je n'ai pas dit le mot de Dr Nintendo. Hein. Non, c'est pas celui-là. Je cherche le site internet. Alors, le jeu Black Flag, voyons voir. Black Flag, je ne sais plus en combien de temps il se termine. Black Flag, 23 heures quand même. 23 heures Black Flag quand même. Laisse-moi réfléchir, Big Matt. L'histoire principale en 23h30. Les extras, 41h. Le 100% en 61h. C'est bien 23h. Pourquoi sur Nintendo Switch, il faut 26h pour le terminer? Alors le plus court... Attendez, parce que c'est des moyennes. Le plus court sur PlayStation 4, 10 heures. Voilà. Alors. Le plus long, c'est 197 heures. Alors, copier, je te mets ça dans le chat. Donc, le premier chiffre. Le premier chiffre, en gros, donc c'est sur PlayStation 4, il y a eu 545 résultats, il se finit en 23h08, ensuite le 37h c'est le Main Plus, le 100% en 60h39, le plus court a mis 10h en speedrun. Le plus long a mis 197 heures. Donc, ta demande est validée, Big Matt, puisque le speedrun se fait en 10 heures. Ça passe. Non seulement c'est un très bon choix, Big Matt, mais de plus, tu m'enlèves une aiguille du pied, une épine du pied, puisque je voulais le refaire, mais je ne savais pas quand. Et du coup, en direct, retour aux sources, nous referons Black Flag, je vous l'annonce en direct maintenant, vous le savez parce qu'il m'a posé la question en live, Monsieur Big Bat, mais
ça sera après le jeu à la demande de Dr Nintendo, qui dure 13 à 15 heures, je crois. Je vais vérifier en direct, mais je vous donnerai pas le titre. Je vais taper le titre, heureusement que je le dis pas, hein, parce que j'aurais été capable de le dire. Alors, Uncharted... Oh putain, merde, je l'ai dit. Alors, pour 8 heures en speedrun pour Dr Nintendo, et 16 heures la campagne principale en mode normal, j'ai accepté aussi, bien entendu. Je devais faire, vu ce qui s'est passé ce soir, le surplus d'heures est compensé par votre soutien. Je tiens encore à vous remercier ce soir. Et toi, tu vas faire la plus longue run du jeu, 300 heures de nullité. Allez, en tout cas, un grand merci à vous. Merci Chef Puma, merci Big Matt, merci Dr Nintendo d'avoir été présent. Je vous donne rendez-vous certainement demain soir. Envoyez-moi un message privé si vous préférez Mario Sunshine ou Black Flag ou alors Assassin's Creed Valhalla demain. Si vous voulez alterner, n'hésitez pas à me le dire. On se retrouvera donc demain pour un nouveau live. Donc en message privé, s'il vous plaît. Je vous demande juste de choisir entre Super Mario Sunshine ou Assassin's Creed Valhalla. Je vous remercie d'avoir été présent. À plus dans le bus, à bientôt dans le métro, à la revoyure, dans la voiture et à jamais dans le tramway. Un grand merci. Un grand merci à Dr Nintendo et Big Matt. Merci beaucoup. Énormément. Énormément. Bonne nuit.